Alors, vidéo plutôt rapide. Je suis revenu sur le rucher pour voir l'enruchage de la ruche. Ce que je vois déjà, bon, c'est qu'elles vont quand même fonctionner dans le nourrisseur. Donc bon, est-ce que c'est utile? Je sais pas, ou pas, je sais pas, mais en tout cas. Elles y vont. Zut, reste pas là, toi. Ouais, je vais te faire enfermer. Elles sont assez speed ce soir. Je pense que c'est un temps orageux, donc je vais pas les déranger trop longtemps, parce que je sens bien que là, je suis pas à ma place. Hein. Vous me voir. Si dès que j'approche, alors qu'hier, elles étaient plus cool. Bon, la grille à rennes, on voit que ça les dérange un peu quand même pour entrer et sortir, donc je vais pas la garder trop longtemps. Il y a quand même pas mal de monde sur la planche d'envol, je trouve. Mais peut-être aussi parce que par rapport à hier, ce qu'on peut voir, c'est que du coup, ça y est, elles ont commencé à faire leur. À prendre leur place, à savoir que elles se sont agglutinées toutes sur l'avant. Donc ça fait quand même un gros paquet d'abeilles, parce que de vision, en fait, elles partent de là jusque là, quoi. Tout ça, ça. Il y a au moins allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a au moins déjà 6 barrettes qui sont une grosse boule d'abeilles qui est sur 6 barrettes. Alors, on voit pas bien. Non, parce qu'avec le reflet de la caméra, on voit pas bien. Ah non, on voit pas bien. Et elles vont ouais, quasiment jusqu'à. J'ai coupé la lumière. Je sais pas si... Ouais, on voit mieux. Donc elles vont quasiment jusqu'à la dernière barrette. Et du début, et ça fait vraiment une grosse boule. Hein. Donc hier j'ai oublié de mettre dans la vidéo, mais en fait donc à vide le carton il faisait 2 kilos, non il faisait 800 grammes. Et donc comme on était parti de, je crois qu'on était, alors, au total non, je sais plus combien on était parti, mais globalement j'ai calculé 2 kilos 4 d'abeilles, donc ça faisait 24 000 abeilles. Récupérer, donc ce qui est vraiment un super essaim d'essaimage. Et bon, je vais refermer parce que là je vais pas les embêter plus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les deux planches contrôle varroa de l'hier, et j'ai regardé à la loupe, mais déjà à l'œil là, je pense que à mon avis, ça déjà, je sais pas, à mon avis, j'en ai un ici, je regarderai à la loupe. Sur l'essaim récupéré il y a plusieurs jours, je pense qu'il y a déjà il y a un varroa, et l'autre sur l'autre j'en ai pas vu. Mais j'ai regardé ça à la loupe. Et mais voilà, c'était juste pour montrer à quoi ça ressemblait à une planche une fois que après un jour. Et je veux pas trop les mettre plus qu'un jour, parce qu'après je trouve c'est il y a trop de saleté. Et déjà sur 2 jours on a du mal à bien voir les varroas, je trouve. Donc c'est pour ça que je reste sur une journée. Donc voilà, c'était juste une marque, une vidéo pour te montrer que l'essaim était bien actif. Il s'est installé, et puis et que j'ai suivi l'évolution, mais je voudrais voir apparaître les premières tranches de cire. Dès que je les ai, je t'envoie une vidéo. Allez, à plus tard, salut!